Qui ont précisément venant du en majorité du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan, qui disent avoir une langue autochtone comme langue maternelle, donc une des 60 langues autochtones. Et ce qui est aussi une autre donnée de Statistique Canada, c'est que de ces gens-là qui ont déclaré avoir une langue maternelle autochtone, 80%, un peu plus de 80% disent avoir aussi parlé aussi cette langue. Et ça, c'est une donnée qui surprend un spécialiste. C'est différent qu'est-ce que déclarait Statistique Canada. Même moi-même, je parle plus ou moins le cri, mais j'ai déclaré que ma langue maternelle est le cri. Mais je ne parle quasiment pas à la maison parce que ma femme ne parle pas, ni mes enfants. C'est malheureux, mais c'est vraiment ça. Et quand je promène et j'ai mis à parler le cri et pratiquer avec d'autres personnes, je constate que les jeunes sont incapables. Même en visitant des réserves, je fais des discours en cri et eux autres sont incapables à comprendre exactement qu'est-ce que j'ai dit. Et justement aussi, il continuait à me dire que malheureusement, il croit que d'ici 40 à 50 ans, les langues autochtones parlées au Canada pourraient disparaître. C'est pour ça aussi que ce spécialiste travaille sur un programme pour que les langues autochtones soient apprises. Et aussi, en terminant, le Métchif ici au Manitoba, il y a seulement 640 personnes qui ont déclaré avoir comme langue maternelle le Métchif. Alors, ce spécialiste voit malheureusement une fin très près pour le Métchif. Ah, c'est malheureux. Merci beaucoup.